Bonjour, internautatrices et internautateurs, ici Hélène pour les Jeux du Cygne. On se retrouve pour le tournoi Sauvement pour les Braves. Je vais faire mon match contre Monolith, premier match, sur au moins deux, voire trois, en fonction des victoires. Des uns ou des autres. C'est parti. En live sur Twitch également, donc. Et c'est Monolith qui va commencer. Alors. Alors. Est-ce qu'on va se reprendre dans la tronche? Ça risque de pas faire du bien. Bon, le terrain me plaît plutôt. Ça va peut-être pas suffire, mais. Allez, on est parti comme ça. Alors, donc nous avons le coucou Zikino, salut à toi. Nous avons le build avec les witch qui font hyper mal. Logiquement, il va caper l'objectif. Il y a l'hydre hein, qui est une énorme saloperie. Elle a que 5 PV, ce qui est moins que d'autres monstres. Mais elle a la régénération, ce qui fait que si on n'arrive pas à lui tuer ses 5 PV en un tour, eh ben elle revient à 5 PV. Et ça fait quand même beaucoup. Quel est l'arc de tir de sa baliste? Ça, c'est. C'est pas. C'est des cavaliers. D'accord. Il a Axe of Ruin. Alors, ça, c'est quand même le gros coup de bol. Les cavaliers sont juste hors de portée de sa baliste pour l'instant. Alors, à moi de jouer. Est-ce que j'ai intérêt d'exposer mon flanc? De toute façon, il est capable de me flanquer. Je me demande presque si j'aurais pas intérêt. Coucou à l'astre, salut à toi. Je me demande presque si j'aurais pas intérêt à ignorer complètement ce flanc-là pour l'instant. En concentrer sur le flanc gauche. Je pense que c'est ce que je vais faire. Il tire sur mes arquebusiers en toute logique.
Merci à toi. Alors, je pourrais peut-être essayer de lui défoncer. Cinq de défense. 5 de défense aussi. Mais là, il y a la régène et pas là. Allez, c'est bon, mon canon est toujours aussi efficace. Ça fait plaisir. Allez. Je pense que. Là, il va avoir le MVP du plus mauvais canon du jeu. La chance commence bien à l'astre. Faut jamais dire bonne chance, c'est bien connu. Non, mais c'est absolument effarant, le degré de nullité du canon est effarant. Et le char qui en plus réussit sa sauvegarde tout à fait. C'est normal. C'est parfaitement normal. Non, mais en tout cas, Monolith est un gros joueur. Il a beaucoup d'expérience, je crois, en PvP. Hein, ça se voit. Le dragon là qu'il a sur son icône, je sais plus si c'est celui du DLC ou si c'est en lien avec justement le fait qu'il a réussi à être premier ou un truc comme ça. Gros joueur de SOVL. Alors, qu'est-ce que t'en fais de ta petite hydre là? Bien. J'ai 3 PV. Qu'est-ce que je peux faire avec eux? Est-ce que si je me mets là, est-ce que je peux charger le flanc de ses furies? J'en sais rien. Qu'en fait, c'est ça qui me plairait le plus. Mais clairement. Je ne sais pas du tout si, mais je pense que oui. À mon avis, ça peut être un move assez intéressant. Alors, qu'est-ce qu'il va faire avec ces lanciers là? Ces lanciers, c'est. Ces cavaliers. Leur petite arbalète. Hop, moins un. Il peut aller jusqu'où? Là, et il me charge le flanc. Alors là, on va éviter de se faire charger soi-même.
Ou sinon, plus bio. Est-ce que là, si je me mets là, est-ce que je peux atteindre? Oui, je peux sans problème atteindre. Sa cavalerie, mais sa cavalerie, elle est planquée. Donc je vais peut-être, à ce tour, focus son chariot, que je ne vais pas pouvoir atteindre. Est-ce que je peux, en allant un peu plus loin, toc, toc, toc. Oui, là je peux l'atteindre. Parce que bon, si j'arrive à me débarrasser de lui, je serai. Oh bah, c'est pas avec des tirs comme ça que je vais y arriver. Est-ce que ma boule de feu va être aussi inefficace que mon canon? Non, yes, ça c'est bon. Je vais fuir. Est-ce que je peux? Oui, je peux charger. Très bien. Donc là, je vais fuir avec eux. Et ensuite, je charge là de flanc. Et il va peut-être faire la même. Ah non, ils ne peuvent pas. Les furies ne peuvent pas fuir à cause de la frénésie. J'ai pris un risque. J'ai pris un petit risque. Là, il a tout raté, c'est plutôt sympa ça. Allez. Bim. Yes. ça c'est très bien. Je suis à bout portant quoi. Jetez-vous. Tu peux montrer le bord du bas de la carte. Ah non, oui, t'as raison. T'as raison, en fait, j'en étais loin. Hop. Ben, on va boule de feuté, hein. Yes. Bon. C'est déjà ça, donc il y aurait juste. Sa prêtresse qui a 2 PV. Oui, c'était large, non, mais j'ai dit de la merde. Ça m'arrive. Ceci dit, il aura les objectifs à ce tour-ci. Alors, est-ce que eux vont être en mesure de charger son hydre. Ah oh non. Alors, je tourne un peu moins et que j'avance un peu plus non plus. Là, je peux le charger. Mais je vais pas y arriver parce que logiquement, il aura la charge sur les chevaliers impériaux qui sont plus proches. Mais bon, ça me positionne bien pour le tour suivant. Allez, oh, pas terrible ça. C'est bon. Allez. Points de. Ouais, en toute logique. Est-ce que je charge? Bah, pas forcément. Est-ce que je fuis? Ouais. Qu'est-ce que tu fais là? Il me charge. Ok. Eh ben, ça n'a pas beaucoup d'importance. Tac.
Ah, yes. Ah non. Ah, c'est marrant. Ah, il pouvait. En tournant, il pouvait pas tirer sur mes chevaliers. Oh, moi aussi, j'ai du bol. Yes, c'est good. Bon, elles ont récupéré aussi. Ah, l'avantage. C'est qu'il va pas pouvoir récupérer ici. Est-ce que mon canon peut tirer sur ces... Oui. Bim. Mais c'est presque un tir efficace, dis donc. C'est un peu mieux que ça. Ça change pas grand-chose. Hop. Ah, c'est chiant. Coucou Lucine. Bienvenue ici. Alors, il crame, ouais, c'est logique, j'aurais fait la même. Et il a 3 de défense, je pense que je vais faire la même aussi. Bon, ce match se passe plutôt bien. Oh, youf. Coup de bol. Allez, il est mort. Enfin, j'espère. Normalement, ça passe. Yes. Bon. C'est good, c'est good. Non. Tu ne charges pas, par contre, je te charge. Hop. Non. Bah toi, tu vas continuer à tirer. Bon, deux touches, c'est on est dans la norme. Pas de non, pas skip, pardon. Non, ça ne servait à rien, à part à servir de cible pour les adversaires. Là, bah, tac. Alors là, de toute façon, comme c'est des hallebardes, je lui fais des dégâts sur 4 ou plus. Si je lui mets une ruine. Ouais, ça se passe bien. Ça se passe bien, j'ai fui lâchement comme il fallait. Là, ça lui fait moins 3, donc ça lui fera 2 de défense. Ce qui me permettra de mieux le blesser que normalement. Allez, hop. Si j'ai pas fait de conneries, si je sais bien calculer, ça devrait le faire. Allez. Oh yes. Allez, allez, allez. Ah oh, putain, il lui reste un. Il lui reste un PV. Bon, il fuit, ceci dit. Ah non, il fuit pas. Ah oui, puisqu'il a Fearless. GG, c'est bien, c'est propre. C'est propre, la baliste qui me tue. Bah, j'ai pas de charge. Il a eu le temps de se planquer. Il a eu le temps de se planquer derrière la forêt.
Ils n'auront vraiment servi à rien du tout. C'est trop drôle. Lui, il est trop loin et j'arriverai jamais à. 6, ils ont servi à tirer l'ennemi. Oui, non, mais tout à fait, hein, on est d'accord. C'est pas si mal. J'ai pas envie de le mettre à portée de charge de l'hydre. Donc, je vais le décaler par là. Oh putain, yes! Le premier coup n'arrêtait pas le bon, mais le deuxième l'arrêtait. Hop! Eh bien, c'est une victoire. Merci. J'y croyais moyennement, mais c'est passé. Hop. Tac. Zéro perte. Ouais, j'avoue. J'avoue que c'est beau. J'en suis le premier surpris.